Voici l'histoire d'amour de deux bipèdes qui se rencontrent. L'un habillé de progestérone, l'autre de testostérone. Un corps de femme, un corps d'homme, et des phéromones. Une attirance, un appel, naturel en somme. Ils se plaisent au premier regard et dans leur cerveau primaire. Un coup de foudre, un gros pétard, dans leurs deux hémisphères. Ils se meurent à l'instinct, ils se touchent et tout s'enchaîne. Ils s'allongent en reptilien pour partager leur chaîne. Quand les sensations sont au plus vives, le lobe préfrontal se désactive. Attiré par la phéromone, testostérone est en émoi. Érogène, lui c'est la zone. Accro, il se kamasutra. Ocytocine, endomorphine, dopamine et tralala. Court-circuite les neurones, chargés de la maîtrise de soi. Sensations sont au plus vives, le lobe préfrontal se désactive. Désir, le corps tendu, le ventre serré, l'attente comme un manque. Plaisir, le tout se relâche, le temps se dilue et le corps s'abandonne. Tadam, tadam, les artères battent la chamade. Tadam, tadam, explosion sans BPM. Tadam, tadam, ça pulse et ça bombarde. Tadam, tadam, l'excitation est extrême. Les sensations sont au plus vives, le lobe préfrontal se désactive. Les spermatos ont mis leur casque pour protéger leur ADN. Emballés par ce grand voyage, ils gamètent et ils flagellent. La porte s'ouvre et sent au top gonflé à bloc. Et fonce sauvage vers les trompes de Fallope. Les mouvements vaginaux, cervicaux, utérins. Avant et pendant l'orgasme. L'or ouvre le chemin. En état de grâce. Durant toute la scène, ils entendent des soupirs et des je t'aime. Des encore extasiés, des petits oui sans gêne. Quand les sensations sont au plus vives, le lobe préfrontal se désactive. Quand les sensations sont au plus vives, le lobe préfrontal se désactive. Merci beaucoup.